Bienvenue à la semaine de la famille 2022 proposée par Espoir Média. Pourquoi une semaine entière pour parler de nos familles? Eh bien, parce que c'est un sujet cher à une écrasante majorité. Une étude suisse de 2020 indique que 91% des 20-29 ans désirent un jour fonder une famille. On sent bien que c'est là que se trouve le bonheur et pourtant. Il paraît y avoir un écart entre nos rêves et la réalité. En effet, combien de familles se déclarent vraiment heureuses et épanouies? Pas tant que ça. Certainement pas 91%. C'est pour essayer de remédier à ce fossé que la semaine de la famille existe. Durant ces 8 jours, nous allons essayer de regarder la famille en face, telle qu'elle est, vraiment pleine de bonne volonté, mais imparfaite, car composée d'êtres humains imparfaits. Et essayer de trouver des solutions à ces différents défis. Et ce soir, c'est le pasteur Gilbert Grezet qui ouvre le bal pour vous parler du thème souvent banalisé et pourtant très important pour le couple, la sexualité. Et il le fait sans tabou. Mais avant cela, je vous invite à chanter, puis à écouter un témoignage inspirant. Vous êtes prêts? La semaine de la famille 2022 est lancée. Voici ton église, sans mur et sans frontières. Car ton sang nous unit et fait de nous des frères. Ton pardon résonne dans nos vies, ta grâce resplendit. Oui, pour nous tu as payé le prix. Délivrons notre terre, l'espoir de tous les hommes, toi seul peux satisfaire. Que les cieux déversent ta tendresse, accorde-nous de voir féconder le fruit de tes promesses et changer nos regards. Bien plus que l'argent, qu'un trésor, qu'un diamant. Ta présence dans nos vies est la source qui nous donne le goût de vivre ici. Tu es Dieu, tu vaux bien plus que l'argent, qu'un trésor, qu'un diamant. Ta présence dans nos vies est la source.
Se fue rápido, muchísimo trabajo. Todo muy bien, ¿y tú? El mío estuvo bien largo. Sí. Estoy agotada. Pero los chicos ya están en cama, bañados, en pijamados y con las tareas listas. ¿Cenamos entonces? Claro, mi vida. Por favor. Se ve bien. Para ti. Mira el artículo. ¿De verdad? De verdad. ¿Y funciona? Claro que sí. No. ¿Tú lo probaste? Claro. ¿Funciona? 100%. ¿Sabes qué? Lo voy a probar. Bienvenida. Gracias, amor. Amor, déjame ayudarte. Gracias. ¿Te sientes bien? Mejor imposible. Mira, acosté a los niños. Te saqué la ropa de la secadora, te la guardé, limpié la casa y me quedó un poquito de tiempo, así que te preparé esta cena. No sé qué decir. No digas nada. Buen provecho. Gracias, mi amor. Espero que te guste, ¿eh? El pescado no es mi especialidad, pero... No, sabes que me encanta. ¡Ay, qué romántico! ¿Te cocinó y todo? Sí. Resulta que un compañero de trabajo le mostró el artículo de una revista donde decía que las mujeres estaríamos más inclinadas al romance si no nos tocara asumir todas las labores del hogar, además de las de la oficina, claro. ¡Ah, qué bien! ¿Y cómo les fue? Por mí, fantástico. Imagínate, Lucas limpió la casa, pasó la aspiradora, planchó, ayudó a los chicos en las tareas escolares, cocinó y por si fuera poco, lavó los platos. ¿Y luego? Pues... Ay, amiga, Lucas estaba tan cansado que se quedó dormido. Oh.
La sexualité entre rêve et réalité. La sexualité, voilà un sujet qui intéresse souvent, certes, mais qui n'intéresse pas de la même façon les uns et les autres, les unes et les autres, devrais-je dire peut-être. Notre approche et nos attentes sur ce sujet sont très différentes selon que nous sommes jeunes, soit encore célibataires, soit en couple, ou si nous sommes plus âgés, là encore, en couple ou pas, ou alors en couple depuis quelques années ou depuis de nombreuses années. En fait, il faudrait presque une émission par catégorie d'auditeurs. Mais comme nous n'en avons qu'une aujourd'hui, eh bien nous allons essayer d'aborder la question de la sexualité sous deux angles différents et j'espère que vous y trouverez quelques points à retenir. Parlons donc de la sexualité entre rêve et réalité. Parce qu'effectivement, il y a la sexualité dont chacun ou chacune rêve et la sexualité que l'on vit vraiment. Et parfois, une forme de déception, voire de frustration, peut s'installer ou pourrait s'installer. Alors, pourquoi ? Parlons tout d'abord de la sexualité du couple rêvé. Au début, tout va bien. La sexualité du couple rêvé, elle est caractérisée par deux aspects très révélateurs de la jeune relation. Le premier point, c'est qu'on a un désir quasi permanent et une excitation évidente, j'allais dire tous les soirs, il ne faudrait peut-être pas exagérer, mais pas loin. Les jeunes amoureux ne se lâchent pour rien au monde. D'ailleurs, même la Bible recommandait aux jeunes mariés de prendre ce temps des débuts rien que pour eux. Je prends dans le livre du Deutéronome, au chapitre 24, le verset 5. Deutéronome, au chapitre 24, le verset 5, est assez surprenant. Un homme qui vient de se marier est dispensé de partir à l'armée et on ne lui imposera aucune autre charge. Il en sera libéré pendant un an pour pouvoir se consacrer à sa maison et rendre heureuse la femme qu'il a épousée. N'est-ce pas extraordinaire ? Une année pour pouvoir se consacrer à sa maison et ainsi rendre sa femme heureuse, c'est comme ça que s'exprime le texte bien ancien, puisque laissé par Moïse environ 1400 avant Jésus-Christ. C'est dire qu'on était déjà au courant que pour rendre une femme heureuse, il fallait lui consacrer du temps et des énergies pour soigner sa demeure, c'est-à-dire pour les choses non sexuelles. Et c'est bien vrai que si une femme se sent aimée dans son contexte, alors, et alors seulement, elle s'épanouira aussi dans l'intimité. Mais bref, la Bible recommandait donc une année pour mieux se connaître et découvrir la vie à deux. Magnifique. La deuxième caractéristique des débuts, c'est que les problèmes sont occultés. Certes, des petites crises d'ajustement sont bel et bien là, mais on les oublie vite pour se réconcilier, souvent sur l'oreiller. D'ailleurs, sur l'oreiller lui-même, les éventuels problèmes de sexualité sont occultés par le plaisir de s'aimer passionnément. Et on pourrait dire que deux problèmes principaux sont souvent laissés de côté. L'un concerne les femmes, il s'agit de l'anorgasmie, c'est-à-dire de ne pas avoir ou de ne pas ressentir les orgasmes féminins. Et l'autre concerne les hommes, l'éjaculation précoce, c'est-à-dire ne pas savoir se retenir lors de la pénétration. Au début de la relation, les deux partenaires peuvent se dire « Ah, c'est pas grave, ça ira mieux avec le temps » et on passe par-dessus. Quelque temps, oui, c'est possible, grâce à cette période un peu euphorique, magnifique, mais hélas, passagère. Après cette période un peu idéalisée, vient le temps des réalités. Et là, que constate-t-on ? La passion sexuelle diminue quelque peu. On a toujours le désir de se toucher, d'être dans les bras, mais le pur désir sexuel diminue quand même,
entre autres à cause de la baisse d'une hormone bien connue maintenant, l'ocytocine, qu'on appelle aussi l'hormone de l'attachement. Et il risque de s'installer une nouvelle invitée qu'on n'avait pas du tout prévu de recevoir, la cruelle routine. Comment lui échapper? Eh bien, il faut peut-être accepter d'ouvrir les yeux et de travailler. Robert Neuburger, un fin psychiatre et psychologue de famille, dit qu'en amour, il faut accepter de se fatiguer un peu. J'aime beaucoup cette expression. Et se fatiguer un peu, ça peut commencer par dire « il faut ouvrir les yeux » et peut-être, au risque de regretter un peu son état amoureux premier. Être en couple, a fortiori parent, ça limite la liberté événementielle, certes, tout au moins au niveau de la sexualité. Et il faudrait rester libre. Il faudrait pouvoir sortir des automatismes, des « je dois » ou des « il faut ». Mais cela demande un certain travail. La volonté de vivre plus intensément malgré les obligations de la vie. Et ça peut vouloir dire, il faut se prévoir des moments de liberté. Prévoir des soirées en amoureux et se laisser vivre la suite. Mais attention, prévoir, j'entends l'objection que l'on va me faire. La sexualité doit rester spontanée, me direz-vous. Seulement, est-ce vraiment possible? Ça l'était tout juste dans la période idéale des débuts, mais là, maintenant, il faut bien passer à la réalité et aborder la possibilité d'une communication authentique autour du sujet de la sexualité réelle. Une phrase qui s'entend souvent en entretien d'aide conjugale au sujet de la sexualité, c'est « Mais tu ne m'avais jamais dit ça !» Et je vois parfois les membres d'un couple totalement abasourdis par une révélation que fait l'autre dans un entretien de relation d'aide. C'est normal. Parler de la sexualité, c'est assez facile, tout le monde le fait. Les innombrables émissions de radio ou de télévision ou les sites infinis sur Internet abordent toutes les facettes inimaginables de la sexualité. Mais c'est une chose que d'en parler et c'est tout autre chose que d'oser parler de sa sexualité. Voyons si c'est possible. Et déjà, une première question, quand et où faudra-t-il en parler? Alors, permettez-moi une petite mise en garde. Dans le lit, en faisant l'amour, la communication devrait se limiter à des paroles simples qui expriment les sentiments amoureux, peut-être les désirs, qui peuvent exprimer en tout cas des compliments ou alors aussi quelques informations très concrètes pour assurer son confort. J'ai les fourmis dans le bras ou j'ai une crampe. Et ça peut nous faire un peu sourire, rire, mais on ne devrait pas aborder au lit des questions intimes sur la sexualité du couple. C'est mieux de le faire hors du lit. Et là, prenez un atout très avantageux. J'en ai déjà un petit peu parlé dans la dimension du pardon, mais c'est l'écoute silencieuse. Une véritable écoute silencieuse, attentive et respectueuse. Aruna Lipschitz a écrit « Écouter l'autre, c'est le faire exister ». Un but très motivant pour être vraiment à l'écoute de l'autre. Et pour vous aider à bien rythmer le dialogue, eh bien, je reprends ce petit exemple du bâton de parole. Quand la personne a le bâton, elle peut parler, et tant qu'elle ne redonne pas le bâton à l'autre, c'est toujours elle qui a la parole. L'autre attend en silence. Et d'ailleurs, les silences pourront être très révélateurs, tant pour l'écoutant que pour celui qui parle. Avant de répondre, avant de dialoguer, soyez sûr d'avoir vraiment écouté. Car dans une écoute silencieuse, on ne cherche pas la vérité comme s'il n'y en avait qu'une. On cherchera au contraire à entendre la vérité de l'autre. Et pour bien l'entendre, je souligne encore une fois la valeur des silences.
dans l'écoute silencieuse, les moments sans parole font réellement partie de l'exercice. Grâce au silence, il est possible pour celui qui parle de descendre plus profondément en lui-même. Lorsqu'on choisit d'aborder un sujet qui nous tient à cœur, il y a d'abord ce que le mental a décidé de dire. Et lorsque c'est chose faite, et qu'il y a encore du temps de parole parce que je n'ai pas redonné le bâton à l'autre, il est possible d'accéder à un niveau très intéressant, celui de la fragilité, de l'authenticité et des émotions. Et au niveau de la communication, au sujet de la sexualité, je me permettrai de souligner trois pistes. La première, c'est l'influence déterminante des compliments. Vous vous rappelez peut-être de cette chanson de Patricia Cass qui disait « Il me dit que je suis belle, il me dit que je suis reine, il me dit que je suis celle juste faite pour ses bras, et pauvre de moi, j'y crois, pauvre de moi, j'y crois. » Elle avait bien raison d'y croire, Patricia Cass. Les compliments que l'on peut adresser à son partenaire, à son conjoint, même après des années de mariage, c'est ce qui construira le plus une belle identité pour l'un et pour l'autre dans le couple. La deuxième piste, c'est oser dire ses peurs. Vous savez, taire une peur, ça lui donne de plus en plus d'ampleur. Alors qu'au contraire, une peur acceptée et partagée va diminuer en intensité. Nommer les peurs, en fait, ça les dédramatise. Et si on peut le faire dans sa vie de couple, au sujet de notre sexualité de couple, eh bien, les peurs vont baisser en intensité, elles vont peut-être même disparaître et laisser le champ libre à plein de créativité. Et justement, c'est ça la troisième piste. Troisième piste, oser dire ses désirs. Oser exprimer clairement ses désirs va enrichir non seulement la relation sexuelle, peut-être par de nouvelles choses à essayer, mais va aussi renforcer la relation de confiance entre les partenaires. Je vous propose un petit exercice pratique. C'est pas très habituel dans nos émissions, mais je me risque. Vous avez sûrement un bouton pause, alors utilisez-le maintenant peut-être, et veuillez vous munir de quelques post-it pour chacun et de quoi écrire et revenez ensuite prendre la suite. Quelques post-it, un stylo ou un crayon et revenez. Voilà, vous êtes là. Alors, mettez en titre sur le premier post-it « Ce que j'aime beaucoup dans notre sexualité ». Vous écrivez ce titre « Ce que j'aime beaucoup dans notre sexualité ». Et dessous, vous inscrivez deux ou trois choses que vous aimez vraiment beaucoup. Et s'il vous plaît, sans regarder ce que l'autre écrit, c'est très important à propos du deuxième post-it dont on va parler dans un instant. Alors, je vous laisse le faire, soit maintenant, soit plus tard, et vous reprendrez l'émission comme vous voulez, mais prenez le temps d'écrire ce que vous aimez beaucoup dans votre sexualité de couple. Voilà, c'est fait. Alors maintenant, sur le deuxième post-it, écrivez en titre ce que tu aimes beaucoup dans notre sexualité. Vous avez compris la différence. Sur ce deuxième post-it, vous allez essayer de deviner ce que votre partenaire aime beaucoup dans votre spécialité, dans votre conjugalité, dans votre sexualité. Alors, vous pouvez prendre le temps sur ce deuxième post-it d'écrire ce que tu aimes beaucoup. Voilà, je pense que c'est fait. Alors maintenant, échangez les post-it numéro 2 et voyez ce qui correspond entre votre post-it numéro 1 et ce que votre partenaire vous a donné sur son post-it numéro 2. Et vous allez avoir le temps d'en parler. Et là, je pense que vous pouvez faire une longue pause, ça vaut la peine. Prenez le temps de voir si vous êtes sur la même longueur d'onde, un peu aussi au niveau de la sexualité. C'est un bon exercice. Voilà, vous êtes de retour. J'espère que tout va bien et qu'aucun de vous n'est parti en claquant la porte. Alors, on peut passer
au post-it numéro 3 et 4. Le titre du post-it numéro 3, c'est « Ce que je n'osais peut-être pas te dire », ou si vous voulez, entre parenthèses, « mes peurs ». Écrivez donc ce titre « Ce que je n'osais peut-être pas te dire ». Et après, pendant la pause, ben, vous pourrez écrire deux, trois choses que vous n'osiez peut-être pas dire. Et rappelez-vous, taire une peur lui donne de plus en plus d'ampleur. Au contraire, une peur acceptée et partagée va diminuer en intensité. Nommer les peurs les dédramatise. Vous avez compris le principe de la pause. Alors, à tout à l'heure pour le dernier post-it, le numéro 4. Voici de retour. Et le titre du numéro 4, c'est « Ce que j'aimerais oser faire avec toi ». Eh oui, « Ce que j'aimerais oser faire avec toi ». Là, ça veut dire oser exprimer clairement ses désirs. Non seulement parce que ça va enrichir votre relation sexuelle, peut-être vous serez d'accord d'essayer une chose ou une autre, ça je vous laisse le soin d'imaginer et de faire ce qui vous plaira. Par contre, je peux vous dire que ça va aussi augmenter la qualité de la relation de confiance entre les partenaires. À qui est-ce qu'on ose vraiment dire ses désirs? Eh bien, pourquoi pas le vivre dans le couple? Voilà, pour aujourd'hui, c'est déjà beaucoup. Bravo si vous avez osé remplir ces quatre post-it, qui pourront d'ailleurs rester des bases de dialogue sexuel entre vous et enrichir la passion qui vous habite. Et vous pourrez, bien sûr, en inventer encore tant d'autres. Là, nous avons avancé non seulement dans la sexualité réelle, mais dans le partage de l'intime. Et ce sont des pas supplémentaires qui vont construire une intimité exclusive entre vous. Personne n'aura alors de chance de rivaliser avec votre conjoint. La sexualité entre vous deux deviendra si intime, si ouverte, si créative, que vous en serez toujours plus fidèle spontanément. Alors, elle n'est pas belle la vie? Que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse tous vos couples, quand ils vivent à la maison, quand ils vivent à l'église, et pourquoi pas, osons le dire, quand ils vivent sous la couette. C'est mon souhait pour chacun qui nous aura écoutés jusque-là. Merci, au revoir.
La sexualité dans le couple, et notamment dans le couple chrétien, ne devrait pas être un tabou. Ce soir, le pasteur Gilbert Greuzet a touché plusieurs aspects importants dans ce domaine. S'ils ne sont pas pris en main, cela peut gâcher ce don si précieux. La sexualité créée par Dieu dans le cadre du mariage est une bénédiction, une source de plaisir pour le plus grand épanouissement de l'être humain. Autant en profiter le mieux possible. Je vous invite donc à partager cette vidéo avec tous vos proches. Espoir Média vous remercie pour votre participation. Et si vous souhaitez nous aider davantage, sachez que vous pouvez faire un don par DonorBox. Vos dons permettent de produire de nouvelles émissions qui relayent de l'espoir. Merci encore. Très bonne soirée à vous. Et on se retrouve demain à 19h pour la deuxième rencontre intitulée « Femmes et hommes co-responsables » présentée par le pasteur Philippe Penner. Bonne soirée à chacun.